Kanda. Longtemps j'ai marché dans les ténèbres. Longtemps j'ai marché dans les ténèbres. Mais ce soir, je ne marcherai pas dans les ténèbres. En écoutant la parole, en priant ce soir, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Je vais prendre le chantier de la lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde qui éclaire, qui éclaire, qui éclaire. Aujourd'hui, Rabalasanda, la lumière va éclairer tes chantiers. Oh, Reveresanda, Rabaïdochine, Reveresanda. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Nous combattons dans la joie. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. Oh, Rabalasanda. Continuez à prier. Continuez à élever l'Éternel là où tu es. Continuez à élever l'Éternel là où tu es. Continuez à élever l'Éternel. Oh, Roborochine, Reveresanda. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Adonai. Élève Jésus. Élève Jésus. Là où tu es. Oh, Rabalasanda. Réveille celui qui dort. Réveille celui qui dort. Oh, Rabalasanda. Oh, Rabalasanda. Oh, Rabalasanda. Ne dors pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta nuit. C'est ta nuit. Il y aura les changements dans ta vie. Il est lui où l'Éternel va te visiter. Il va comprendre les choses que tu ne comprenais pas. L'Éternel va te visiter cette nuit. Oh Rabalasanda, Reveresanda, sois dans la joie. Sois dans la joie. Ne pleure pas. Enlève la couette. Enlève la couverture. Enlève le drap. Enlève tout. Élève-moi. Lève-toi. 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 L'Éternel est là. L'Éternel est là. De la gloire de Dieu. Je recommence. Car tout ton péché est sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ton péché sont privés de la gloire. Ma soeur, mon frère, nous sommes privés au Rakabarasanda de la maternité. Nous sommes privés au Rekeberesanda des richesses, de toutes sortes de richesses. Nous sommes privés de l'intelligence, de la sagesse. Nous sommes privés même de la vie. On est là malade à cause du péché.
qui est là à cause du péché. On est tourmenté par des problèmes. Nous vivons dans la détresse à cause du péché. Nous sommes privés même de la paix. De la paix. Tous nos péchés sont privés de la gloire. Toi et moi, mon Dieu est là. Quel que soit. Pourquoi cette vie? Je suis privé. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Privé de tout, Seigneur. Privé de tout, Seigneur. Aie pitié de moi. Yokelangamawa. Pitié, Seigneur Jésus. Je lève mes mains. Là où je suis, lève tes mains. Dieu l'Éternel, je suis privé des enfants. Je suis privé même des diplômes. Je suis privé même de l'intelligence. À cause des péchés. À cause des péchés, Jésus. Seigneur, les choses que moi je faisais. Yesu, je suis privé. Oh, Jésus-Christ, autant de l'ignorance. Ce que je faisais, Seigneur, j'ai volé, Seigneur. Aujourd'hui, je suis privé. Je suis privé. On me demande des dettes. Oh, Yesu, ma sœur. On me poursuit la nuit à cause de l'argent que j'ai volé, Seigneur, quand j'étais jeune. Oh, Jésus, je suis privé de tout. À cause des drogues. Oh, Jésus-Christ. Oh, Rabarasana, que je prenais, Seigneur Jésus. L'intelligence est partie. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta grande puissance, dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi. Seigneur Papa, je implore Seigneur ta miséricorde. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Dis à l'Éternel, aie pitié. 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 Oh Jésus, de tout. De tout, Seigneur Jésus, privé de tout, regarde-moi, dépouillé à cause des péchés. Oh Jésus, autant passé, les choses que je faisais, Seigneur pitié, Jésus pitié, les choses que je faisais, Seigneur pitié, aie pitié de moi, la ta grande puissance, la ta grande miséricorde, Seigneur pitié. Oh Jésus, pitié, pitié, Seigneur Jésus, les apportements que je faisais, pitié, Jésus pitié, aie pitié de moi, Seigneur. Autant de la jeunesse, Seigneur, les choses que j'ai faites. Pitié, s'il te plaît, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Dans ta grande puissance, dans ta grande miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. S'il te plaît, Jésus. Je prie devant de toi. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus-Christ. Aie Jésus-Christ. Aie Jésus. Oh, Jésus. L'impolitesse. Oh, Jésus-Christ. Le murmure. Pitié, 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 pitié
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, papa, maman, là où tu es. La Bible continue. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Hein? Gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption. Bien-aimés, nous allons élever nos mains, pleurer la puissance du sang de Jésus. C'est seulement par lui que nous sommes justifiés. Dis là où tu es, élève tes mains, dis Seigneur Jésus-Christ, j'élève mes mains. J'élève mes mains. Je plaide de la puissance de ton sang dans mon corps, dans mon âme. Que ton sang me purifie, me sanctifie. Enlève tout tes souillures à moi. Jésus-Christ, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai besoin d'être sanctifié. Commence à prier, papa. Là où tu me regardes, là, l'écran. Prie, prie, ne dors pas. Lève-toi, ne dors pas. C'est le moment précieux pour toi. Ce moment, c'est précieux pour toi. Tu dois prier, dis à l'Éternel. Que ton sang me purifie, me sanctifie. Que ton sang ôte toutes tes souillures, toutes tes privations à moi. Parce que j'ai dit, j'étais privé à cause du péché. Aujourd'hui, je viens au devant de toi. Que je ne sois plus privé. Que je ne sois plus privé. Plein de la puissance de sang de Jésus. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience et dans ta subconscience. La puissance de sang de Jésus. Jésus-Christ, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. La Bible nous dit en vérité dans l'homme, c'est l'Esprit. Maman, papa, là où tu es, JCC, dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Avec toi, je peux tout. J'ai besoin de toi, remplis mon être tout entier. Ma conscience, ma subconscience de ton esprit. Donne-moi la Il y a l'intelligence supérieure pour comprendre les choses qui vont se passer en ces lieux. L'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Déverse l'onction de la force. Orabarasanda. Revêti de ta puissance. De notre. Parle au Saint-Esprit de Dieu.
Seigneur, gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Adoration à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Nous voulons recommander ces moments de partage entre tes mains. Que la parole qui va sortir encore ce soir puisse produire des fruits dignes de la repentance dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Nous voulons être des instruments que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Parce que toi, tu as dit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Que nous puissions parler de ta part éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, nous venons déprogrammer, annuler tous les plans du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a planifié, avec ses acolytes, contre cette veillée. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons frappé d'aveuglement toutes les puissances des ténèbres, et nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ en ce lieu. Selon qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il glorifiera Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Que la louange te revienne. Que l'adoration te revienne. Que la magnificence te revienne, que le trône te revienne à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. On acclame très 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 fort Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour notre éveil de prière. Nous vous avons promis que nous allons vraiment prier ce soir par rapport à l'enseignement que nous avons reçu le dimanche. Et comme vous le savez, notre enseignement du dimanche reposait sur les livres de Genèse, les chapitres 49, le verset 1 au verset 2. Et là-dessus, il était question de la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Nous allons relire pour que nous ayons une idée. La Bible dit dans Genèse 49, 1, 2, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob,
Écoutez Israël, votre Père. Amen. Nous voyons que ici, quand Jacob a rassemblé ses enfants, il avait des facettes. Il a parlé comme Jacob et il a parlé aussi comme Israël. Mais comme Jacob, il était en train de prononcer les sentences sur la vie de ses enfants. Comme Israël, il était en train de bénir ses enfants. Parce que comme Jacob, il avait des mauvais souvenirs. Il savait ce qui s'était passé dans sa maison. Les bienfaits et les mauvaises choses qui étaient passées dans sa maison. Et par rapport à ça, il a commencé à parler, à prononcer des sentences. C'est pourquoi la Bible dit, il a rassemblé ses enfants comme Jacob, il les a aussi rassemblés comme Israël. Et c'est comme ça que, tenant compte de ce qui s'était passé, certains enfants étaient victimes des événements passés. Comme Ruben, la Bible dit, Ruben avait sué la couche de son père, il avait couché avec la femme de son père, mais à l'époque, son père n'avait rien dit. Mais pendant cette sentence-là, Jacob a montré qu'il était vraiment très mécontent de Ruben et il a maudit Ruben. Alors qu'il maudissait Ruben, la Bible dit que Ruben avait couché, il avait couché avec la femme, la concubine de son père, qui était Bila. Et Bila, nous avions dit que c'est la maman de Dan. Et la maman de Dan, qui est la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Samson, c'est elle qui avait commis l'inceste avec les fils de son mari. Et quand nous avons parlé de Samson, nous avons dit que cette malédiction-là est descendue sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Alors nous voulions dire que la sentence que Jacob était en train de faire, c'était une route, les chemins qu'il était en train de tracer pour la vie de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Alors il y a des personnes comme ça, vous naissez dans un système, dans une famille où le chemin est déjà tracé. Psaume 84, verset 6 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, il y a des familles, il y a des personnes qui naissent, ils trouvent déjà des chemins tout tracés. Et nous avons dit pour le cas de Samson, Dieu avait aussi tracé déjà un chemin pour Samson. Il a dit que c'est Samson qui devait délivrer Israël de la main des Philistins. Mais les grands-pères avaient aussi tracé un chemin. C'est comme ça que nous nous sommes dit, maintenant il faut savoir quel est le chemin qui a été tracé dans ta famille. Quel est le chemin qui a été tracé pour tes frères, pour tes sœurs. Quel est le chemin qui a été tracé pour votre tribu, pour votre clan. Quel est le chemin qu'on avait tracé. Pour Dan, on avait dit que Dan sera un serpent. Et la Bible nous dit même dans la bénédiction, dans Deutéronome chapitre 28, généralement, le verset 7 dit ceci, Deutéronome 28, 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Donc, ils sortiront devant toi par un seul chemin. Le chemin qui a été tracé par la coutume. Le chemin qui a été tracé par la sorcellerie. Le chemin qui a été tracé par la famille. Un seul chemin.
Là où il y a eu la malédiction, il y a eu le péché. C'est ce chemin-là qui construit une porte d'entrée. Donc la porte d'entrée dans la famille de Dan, la porte d'entrée dans la famille de Bila, c'était l'inceste. Cet inceste-là qui avait été commis, c'était une porte d'entrée pour que l'ennemi, pour que le diable entre dans cette famille et qu'il détruisait cette famille. Un seul chemin. Je ne sais pas quel est le chemin qui constitue une porte dans ta famille. Peut-être le chemin par lequel le diable est entré dans votre famille, c'est la chefferie coutumière. Quand on a investi votre grand-père, on a investi la grand-mère comme chef coutumier, c'était le chemin qu'on a tracé pour entrer dans votre vie, pour entrer dans votre famille. Quel est le chemin qui a été utilisé? Peut-être le chemin, c'est le fétiche. On a fait des fétiches, on a fait des pactes avec les diables, avec Satan. C'était ça le chemin que le diable a utilisé pour entrer dans votre famille. Peut-être c'est la magie. C'est la porte de l'entrée. C'est le chemin que l'ennemi a utilisé. Et dit, vos ennemis viendront vers vous par un seul chemin. Et c'est ce chemin-là maintenant qui constitue la porte d'entrée pour amener la malédiction. Maintenant, nous sommes en train de prier. Nous avons aussi la prophétie de Dieu. Nous avons aussi les promesses de Dieu. Et beaucoup de gens aussi se disent, mais la Bible dit dans les livres de Ézéchiel, chapitre 18, les versets 1, verset 4, il dit, pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants en ont été agacées? Nous lisons Ézéchiel 18, 1 à 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Alors beaucoup de gens se disent, mais la Bible est claire que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi vous vous dites que nos parents ont péché et nos dents doivent être agacées? Non, mon frère, c'est vrai que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas la dignité de son père. Mais dans quelles conditions? Quelle est la condition? Quelle est la condition pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie? Quelle est la condition pour que cette parole puisse avoir son accomplissement dans ta vie? Que l'âme qui a péché, que cette âme-là puisse mourir et que cela ne retombe pas sur toi. Je pense que j'avais donné une partie de la réponse le dimanche, que la Bible dit, nous avons reçu l'héritage qui ne peut s'essuyer, ni se corrompre, ni flétrir. Si tu remplis la condition, je vais lire la condition à partir du verset 14. Si une personne a péché, il y a une malédiction dans la famille. Toi, tu as la prophétie de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Mais si toi, tu veux échapper à ça, quelle sera ta conduite? Tout dépend de ta conduite. Je disais, si ta conduite n'est pas bonne, le chemin que Jacob a tracé va te rattraper. Même si tu es au combat, même si tu es né à l'église, même si tu as grandi à l'église, si ta conduite n'est pas correcte, le chemin qui a été tracé par les diables, par l'ennemi, va te rattraper. On a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce que dit le verset 14? Je vais lire le verset 14, verset 20 d'Ézéchiel 18. Mais
Si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gages, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Si le fils pratique la justice, si le fils ne commet pas l'iniquité, si le fils ne commet pas d'adultère, si le fils ne fait pas des choses qui sont souillées, il ne mourra pas s'il pratique la justice. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église, mais quelle est ta conduite? Si tu veux échapper au chemin qui a été tracé par la coutume, au chemin qui a été tracé par la sorcellerie, à la porte qui a été ouverte, toi, tu dois apprendre à pratiquer la justice. Tu dois changer ta façon de faire. Tu dois être quelqu'un, un homme qui a un cœur repentant. Comme dit David. David dit, moi je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Donc si toi, tu pratiques la justice. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens. Moi j'ai dit, moi quand j'ai grandi, mon père travaillait en ville à la régie des eaux. Quand mon père rentrait du travail, il était toujours, disons, quand on les payait, hein, vers les 20, les 30, il était toujours ivre. Quand il rentrait déjà avec, il a touché son salaire. Il buvait déjà de là où il venait. Maintenant, nous, on attendait seulement quand il rentre à la maison, il s'assoit, on attend, gling, l'argent commence à tomber. Un l'écoute, on commence à ramasser. Alors, moi, j'ai dit, moi, je suis son fils, j'ai son sang. Mais la bière n'entrera pas dans ma bouche. C'est moi qui ai dit. Si le fils refuse, il y a certaines choses dans la vie, tu dois prendre aussi la décision. Même si ta mère est passée par là, même si ton père est passé par là, tu peux dire, moi je ne vivrai pas ça. D'abord, il y a les liens, il y a la malédiction, mais il y a aussi la détermination, la décision de la personne. Maman Olang a dit, même si elle divorce dans ma famille, moi je ne divorcerai pas, je vais combattre et je vais gagner la bataille du divorce. Elle a gagné. Dis amen. Toi aussi, ça dépend de ta décision. Et comme moi j'ai décidé, moi, je n'ai jamais bu, même quand j'étais païen. Mes petits frères aussi, pareil. Personne. Pourquoi? Parce que nous avions décidé. Vous pouvez aussi décider. Si les fils pratiquent la justice, cette thèse-là, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, va se matérialiser dans ta vie. Mais si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas un homme repentant, tu ne cherches pas les biens, là, le proverbe qui dit les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacés, ça va te rattraper. C'est comme ça que
nous avons vu que Samson a été rattrapé. Parce que Samson n'a pas pratiqué la justice. Samson, maintenant, lui, il est allé chez les prostituées. Il est allé maintenant dans la prostitution. Il est allé chez beaucoup de femmes là-bas. Maintenant, il a sué son héritage. Il a flétri l'héritage. Il a corrompu l'héritage. Maintenant, le chemin que Jacob avait tracé l'a rattrapé. Ne soyez pas étonnés, frères et sœurs, que dans les seigneurs, même dans les ministères, si un frère, une sœur est rattrapée par les chemins de la coutume, une maladie de la famille, une condamnation de la famille, peut-être la personne elle-même n'a pas bien marché. C'est pourquoi nous avons intérêt, nous, non seulement de nous repentir, non seulement de renoncer, mais aussi de prendre la décision que ces chemins-là, nous bloquons ces chemins-là. Nous ne passerons plus par ces chemins-là. Nous allons passer par le nouveau chemin qui a été tracé selon Ésaïe 35, où il n'y aura point de bêtes féroces. On dit, nul impur n'y passera. On ne rencontrera pas de mauvaises choses. Seuls les rachetés de l'Éternel y passeront avec des chants d'allégresse. Acclame très très fort Jésus. Lève-toi là où tu es ce soir. Tu vas dire, même si ma mère, même si ma famille, c'est une famille de méchants, moi je prends la résolution. D'abord je vais me repentir, parce que je suis ici d'une famille de méchants. J'ai fait la repentance, parce que je suis peut-être le petit-fils de Bila. Bila a fait l'inceste avec Ruben. J'ai la malédiction dans mon sang. Tu fais la repentance, tu fais le renoncement et tu prends la décision. Même si ta maman était prostituée, même si ta grand-mère était prostituée, toi tu peux aussi vivre la gloire de Dieu si toi tu te décides. Dis amen. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier cette nuit. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. J'ai pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oui, il est mon papa et il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, Jésus ne change pas. Alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, oh chante alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia. Jésus tu m'as parlé, alléluia, oh alléluia, alléluia. Jésus tu es puissant. Remercie le Seigneur, dis merci à Jésus là où tu es. Remercie le Seigneur, dis merci à Jésus. Remercie Jésus, remercie le Seigneur. Dis merci à Jésus pour la parole. Alléluia. Continue à remercier l'Éternel. Il y a l'Éternel, merci pour cette parole qui vient de sortir. Alléluia. L'Éternel, tu es mon Dieu, tu m'as parlé. Alléluia. Le Dieu puissant. Toi qui m'as ouvert les yeux, j'ai compris pourquoi. Je ne comprends pas. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Oh Seigneur, allez prêcher à moi, Seigneur. Alléluia. Le chemin que je suis, Seigneur, je vis. Le chemin du péché. Je comprends, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout, Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, papa, maman, là où tu es, JCC,
Jeune, là où tu es, la parole vient de sortir. Toi et moi, nous avons compris, bien-aimé. Il y avait des paroles qui se sont dites il y a longtemps par les Jacob de nos familles. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous ne connaissons pas comment ces choses-là se sont passées. Aujourd'hui, nous vivons la malédiction à cause de ces choses-là. Bien-aimés, l'inceste était là. L'origine, c'était l'inceste. Jacob voyait tout ce que ses enfants faisaient. Il ne disait rien. Mais au dernier moment, il a assemblé ses enfants. Il a commencé à parler, bien-aimé. Oui, quand Jacob parlait, il maudissait les enfants. C'est pour cela, toi et moi, là où nous sommes. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres, ils nous ont maudit d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. On ne les connaissait pas, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas l'arrière-grand-mère ou grand-père, on ne connaît pas. Mais nous souffrons, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre. Oui. Nous-mêmes aussi, on a ouvert des portes d'une manière ou d'une autre. Nous-mêmes, on a formé des pièges d'une manière ou d'une autre. Mais ce moment nous est donné, toi et moi, pour nous repentir, pour dire à l'Éternel, Seigneur, pardonne-nous. Oui, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé. C'est pour cela, maman, papa, nous allons lire dans Jérémie 6. La Bible nous dit, ne sortez pas dans le champ, n'allez pas sur le chemin, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac, et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévasteur vient sur nous à l'improviste. Dis amen. Amen. Bien-aimé, on dit verse des larmes, bien-aimé. Couvre-toi d'un sac. Pleure, crie vers Jésus. Parce que le dévasteur est là. Rien ne va dans nos vies. À cause de ces choses-là que nous venons d'entendre. À cause de Jacob et de nos vies. À cause de nous-mêmes. Bien-aimé, nous serons surpris. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes surpris. La pauvreté est là. Le blocage est là. La sécheresse et la limitation. On ne comprend pas. Nous sommes venus en Europe. Rien ne marche. Les séjours depuis 10 ans, 15 ans, nous sommes là. Ma soeur, mon frère, papa, maman, là où tu es dans ta maison. Ne dors pas. C'est un moment précieux pour toi et moi. Nous devons pleurer. Nous devons nous couvrir des sacs. Comme des pleureuses. Comme de pleurer, nous devons pleurer. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Lève tes mains, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant de toi. Je viens au devant. Je m'humilie, Jésus-Christ. Je m'humilie au devant de toi. Seigneur, je couvre mon corps d'un sac. Je pleure. Je pleure. Parce que le dévasteur est là. Parce que le dévasteur est là. J'ai compris ma vie, c'est la malédiction. J'ai compris ma vie, c'est la malédiction. Mes origines, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. L'inceste m'a attrapé. L'inceste m'a attrapé. L'impudicité m'a attrapé. L'impudicité m'a attrapé. Les choses de la jeunesse que je faisais. Les choses de l'antenne de l'ignorance m'ont rattrapé. Aujourd'hui, je souffre. Aujourd'hui, je souffre. Je n'ai rien, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de mariage. Je pleure matin, midi, soir. Oh, Jésus, aie pitié de moi. Je veux voir cette maman. Ce papa-là qui pleure de sa vie. Qui pleure. S'il regarde derrière, il regarde le miroir de sa vie, de ses origines. Azaka Kolela. Dis, Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Je pleure. Je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi cette vie? Pourquoi ma vie? Pourquoi ma vie? Pourquoi ma vie, qui peut rouler, qui peut rouler par terre, qui peut rouler par terre, qui peut te rabattre, qui peut te rabattre maintenant, qui est l'intérêt s'il te plaît, les choses là, les choses là, les publicités, les fétiches, la magie, les écrits, les choses que moi je faisais, oh les
J'allais chez les féticheurs. Oh, au temps de la jeunesse, au temps de la jeunesse, ces choses-là m'ont rattrapé aujourd'hui. L'inceste que j'ai fait avec mon cousin, avec mon frère, avec ma soeur, aujourd'hui ces choses-là m'ont rattrapé. Ah, c'est le temps de pleurer, c'est le temps de pleurer. Samson ne connaissait pas, ne connaissait pas. Il était Danite, Danite Wana, la Danite, le Danite. Oh, il y avait la malédiction, il y avait la malédiction, il y avait la malédiction. Ah, je me retrouve dans le cas de Danite. Moi, Esther, je me retrouve dans le cas de Danite. Est-ce qu'il y a une maman? Est-ce qu'il y a un papa? Est-ce qu'il y a une justesse qui se retrouve dans le cas de Danite? Oh, je suis dans cette race-là, je suis dans cette tribu-là, tribu de Danite. Ah, maman, ah, maman. Là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta maison, maintenant tu comprends la cause de ta malédiction, la cause de tes problèmes, de ta situation. C'est à toi de pleurer, de prier devant Jésus, de prier devant l'Éternel. Oh, si je regarde ma vie, je pleure, je dis pourquoi ça, les choses de l'ignorance, au temps de l'ignorance, les choses que je faisais, l'inceste. Oh, oh, les avortements, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, aujourd'hui ma vie, bien devant. Eh, hey, la drogue que je prenais au temps de la jeunesse, aujourd'hui la maladie est là, aujourd'hui la maladie est là. Oh Seigneur Jésus, écoutez. Est-ce qu'il est une maman? Est-ce qu'il est maman? Est-ce qu'il est papa? Papa ou là où tu es? Ne dors pas. Ce moment, c'est le moment. Capitaine pour toi et moi, Esther. C'est le temps de pleurer. C'est le temps de se lamenter. Comme Rachel. Comme Rachel. Comme Rachel. C'est le temps de se lamenter. Ah, ils ont parlé. La malédiction est là. La malédiction est là. Le péché. On a ouvert des portes. Ton football qui m'apporte. On a ouvert des portes. D'une manière ou d'une autre. Oh, oh. Au temps de la jeunesse. Au temps de l'ignorance. Papa, maman. Aujourd'hui, regarde. Regarde ma, ta vie. Regarde ma vie. Oh, les choses qu'on faisait, les choses qu'on faisait, on volait, on est venu ici. Oh, les choses qu'on faisait, oh, Yokamawa, on volait, les choses qu'on faisait, et la malédiction là. Quand tu volais le plat, dans la boutique des plats, le plat là parlait, toi tu ne connaissais pas, tu festoyais, aujourd'hui rien ne va, ces choses-là t'ont rattrapé, on a balassana, tu disais c'est la dette coloniale, regarde maintenant ta vie, regarde maintenant ta vie, ah, tu l'as appauvri, toi tu croyais que tu l'avais appauvri, tu n'avais appauvri personne, c'est toi-même qui t'as appauvri, regarde maintenant ta vie. Regarde maintenant ta vie. Ah, pleure maman, pleure papa. L'impudicité que toi et moi on faisait. L'impudicité que toi et moi on faisait. Combien d'hommes on a eu. On a sué les tables. On a sué les tables de Jésus. On a sué les tables. Qui est le corps. Aujourd'hui, rien ne va. Aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va. Oh, je sais pitié de moi, Jésus. On est là célibataire jusqu'à 50 ans. À cause de ces choses-là. À cause de ces choses-là. Jésus, pitié de moi, Jésus. Regarde ta vie. Pitié de moi, Jésus. Jésus, pitié de moi, Jésus. L'orgueil que toi tu avais au temps de la jeunesse. Jésus, pitié de moi, Père. On nous a consacré dans la famille. On nous a consacré dans la famille. Toi et moi, on nous a consacré. On nous a donné le pouvoir. Et c'était la porte d'entrée. Pour moi, c'était la porte d'entrée. Lors de la consécration, c'était la porte d'entrée. Aujourd'hui, je suis dans la servitude. Aujourd'hui, rien ne va. Le mariage n'est pas là. On a pas la salle. J'ai perdu tout dans la consécration. Moi qui étais élevé, Jésus, ok la maman. Jésus, ok la maman. Aie pitié de moi. Tiens l'éternel, pitié de moi. Tiens l'éternel, pitié de moi. Maman, papa. Jésus, tu sais, c'est là où tu es. Ne dors pas. Ne dors pas, maman. C'est le moment capital. C'est le moment de pleurer. Jacob, qu'est-ce que Jacob de ta famille avait dit? Oh, Jésus, nous sommes dans l'ignorance. On ne connaît même pas. On ne connaît même pas. D'où vient la malédiction? Oh, la balassane. D'où vient cette malédiction? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Nous tournons en rond. On ne comprend rien. Oh, Jésus, je suis en Europe. Je tourne en rond. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas les séjours. Je tourne en rond. À cause de ces paroles-là. À cause de ces choses-là. Oh, Jésus, maman, ces jours-là, quand tu avais volé, on t'avait dit,
On va voir. C'est lui qui a volé. On va voir. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Oh, la balance. Les jours là, quand tu étais parti, quand tu étais parti voir les petits chers, oh la balassade, tu avais amené les plateaux d'eau, tu avais amené les draps, tu avais amené, oh la balassade, la chèvre, tu avais tout amené. Aujourd'hui, la chèvre là, oh la balassade, on te demande les chèvres soient sacrifiées. Qui n'a pas d'enfant, qui a sacrifié, qui a sacrifié tous tes enfants. La chèvre là que tu avais donnée, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans, tu avais sacrifié les enfants. Les œufs là, et tu avais sacrifié les enfants. Les draps là, c'est la mort. Les gens là qui meurent chez toi. Ah, Dieu l'Éternel, pardonne-moi. 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 Oh Jésus. Jésus, la descendante de Jacob et ma famille. Oh Jésus, mon chef est pour Dieu. On a fait la fête de ce jour-là. Jésus, j'avais participé. J'ai mangé les choses là pendant la fête de la fête. Pendant la fête, ma famille, aujourd'hui la sorcellerie est là. Maman, papa, JCC, la sorcellerie est là. À cause des choses là que tu avais mangé. Le jour de la consécration du chef cultivé de ta famille. Ah, aujourd'hui, donc tu avais participé. La sorcellerie est là. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Toi et moi, nous devons pleurer. Nous tournoyons. Nous tournoyons. Rien ne va. Il n'y a pas de mariage. Là, j'avance. Il n'y a pas des enfants. Là, j'avance. Et pitié. Nous qui étions consacrés à l'Éternel. On était consacrés à l'Éternel. Regardez nos vies aujourd'hui. On était consacrés à l'Éternel. C'est heureux, ma soeur. Mon frère, couvre-toi des sacs. Tourne. Ouvre-toi des sacs. Commence à ramper. Commence à ramper. Je me dis, Seigneur, pourquoi cette vie? J'ai compris dans ma famille. Il y avait Jacob. Le premier homme a maudit la famille. Seigneur, pitié. Yoka Mawa. Mawa. Mawa, Jésus. Mawanayo, je viens à toi. Mawanayo, Jésus. J'ai ouvert les portes. Pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Pitié de moi, Jésus. Aujourd'hui, pitié de moi, Seigneur. Oh, Jésus. L'allocutisme. L'allocutisme. J'ai ouvert les portes. Jésus. Pitié, Jésus, qui se perd. Et pitié de moi, Jésus. Mawa. Mawa, maman, là où tu nous regardes, elle a l'écran. Dis pitié, papa, dis pitié. Et les gens ne m'aiment pas. C'est clair. Depuis dimanche, nous avons partagé ça. Juste aujourd'hui, à la veillée. Pitié, les choses là, l'inceste. Oh, la balassade, la magie. Les choses qui n'ont pas l'Éternel. On a fait. Aujourd'hui nous pleurons. Matin, midi, soir, nous pleurons. Chaque jour, nous pleurons. On ne sait quoi faire. On ne sait quoi dire. On ne sait quoi faire. Eh, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Dans ta grâce, ta miséricorde, Père. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Pitié. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pitié. Aie pitié de moi, Jésus, dans ta grâce. Aie pitié de moi dans ta miséricorde. Aie pitié de moi dans ta bonté. Il n'y a que toi, Jésus. La famille de Jacob. Jésus, pitié de moi, Père. La famille de Jacob. Aie pitié de moi, Jésus. Là, il n'y a rien de bon. Aie pitié de moi, Jésus. Là, il y a des malédictions aussi, malédictions. Aie pitié de moi, Jésus. Les paroles prononcées là-bas. Aie pitié de moi, Jésus. Il n'y a rien de bon. Dis Jésus, pitié. Il n'y a rien de bon. Dis Jésus, pitié. Dis Jésus, pitié. Il n'y a rien de bon. Implore la miséricorde de Dieu. Oh, Jésus, pitié de moi, Père. Dans ma famille. Aie pitié de moi, Jésus. Il n'y a rien de bon, Jésus. Dans ta grâce, ta miséricorde, Jésus. Il n'y a rien de bon, Jésus. Dans ma famille. Aie pitié de moi, Jésus. Il n'y a rien de bon. Oh, Jésus. Aie pitié de moi, 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 Jésus. Dis, Jésus, pitié de moi, Père. Implore la miséricorde de Dieu, Jésus. Oh Jésus-Christ, Père éternel. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ, Père éternel.
Aie pitié de moi, Jésus. Implore la miséricorde de Dieu. Déchirons nos cœurs devant le Seigneur Jésus. Dis, Jésus, aie pitié de moi, Père. Revenons à l'éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, j'y sais, c'est là où tu es. Toi qui nous suis, écoute cette parole. Proverbe 5, à partir du verset 22, la Bible nous dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Dis pitié. Pitié. Il est saisi par les liens de son péché. Dis pitié. Pitié. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Dis pitié. Pitié. Ma soeur, mon frère, papa, maman. JCC. La Bible nous dit le méchant est pris par ses propres iniquités. Oui, toi et moi, nous sommes pris dans le piège de nos iniquités, dans le lien de nos péchés. Nous sommes là, bien-aimés, pris. La Bible dit, tu mourras. Oui, nous mourrons à cause de ce piège que nous-mêmes on a fabriqué, bien-aimés. Bien-aimés, nous-mêmes, on s'est prostitué. Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Autant là qu'on voulait t'épouser, toi tu voulais faire la prostitution comme Samson. Autant là, on rabarassanda, rabailochinda. Tu étais en bonne santé, tu festoyais. Aujourd'hui, la maladie est là. Tu changeais les hommes. Jean, Gilles, Jacques, Pierre. Aujourd'hui, tu es pris. L'impudicité. Dans le piège de l'impudicité, aujourd'hui, la maladie est là. Tu accuses les gens. Non, n'accuse personne. Ces choses-là, l'impudicité, c'était comme les raisins. Six kilos, ça goûte et c'est sucré. Au temps de la Genèse, c'était bon, bon, chouchou chéri. Aujourd'hui, toi et moi, nous souffrons. On a maintenant toutes sortes de maladies à nous. Toutes sortes, bien-aimés. Ces gens-là, ils ont mis des dépôts de maladies. Ça vient de la sirène, là. Tu es pris par tes propres iniquités. Tu étais venu en Europe. Oui, j'ai gagné. On a ravi les séjours. Dans le coin de rue, on était
dans ma vie, tout péché, quelle que soit la forme, Jésus-Christ, que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me justifie. Parle à l'éternel, que le sang de Jésus puisse être lavé, puisse être purifié, enlevé, le péché, le suir en toi, les choses là qui t'a amené dans les pièges, le sang de la prostitution. Implore le sang de Jésus, et que ton sang, Jésus-Christ, se pénètre. Le sang de Jésus. Dis plus fort, plein de la puissance du sang de Jésus. Ne te fatigue pas. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas la rémission de péchés. Ne te fatigue même pas. Oh, le sang de l'agneau Jésus. Que ton sang nous lave. Le sang de l'agneau Jésus. Le sang de Jésus qui se pénètre, Le sang de Jésus, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Là où tu regardes, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons ton nom. Amen. Je bénis encore la parole de ce soir qui est claire, qui nous montre bien qu'il y a un chemin qui a été tracé. Amen. Un chemin qui a été tracé par Dieu, il y a aussi un chemin qui a été tracé par le diable et par la coutume. Et on nous a démontré dans la parole de Dieu, cela dépend de notre conduite. C'est-à-dire que si nos conduites sont bonnes et que nous marchons dans la crainte de Dieu et que nous pratiquons le bien, nous, moi et toi, nous pouvons sortir de ces chemins. Mais à condition de pratiquer le bien. C'est-à-dire qu'il y a une partie, nous devons être dans la repentance. Mais on nous a aussi prêché ici, cela dépend aussi de la décision. Amen. C'est vrai, il y a la repentance, mais il y a une partie de nous qui dépend de notre décision. C'est-à-dire que moi et toi, nous devons renoncer pour sortir de ce chemin. Amen. Tracé par la coutume, par Jacob. C'est pour cela que nous devons combattre. Parce que la Bible déclare, dans le psaume 144, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Amen. Donc, il y a une partie de nous aussi, nous devons exercer nos mains dans le combat pour sortir dans ces chemins. Amen. C'est pour ça que nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 140, versets 5 et 6. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. La Bible déclare, Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui me font tomber. Des orgueils me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Donc, dans ces chemins-là, il y a des pièges, il y a des filets. Et en plus de cela, il y a des embûches. Donc, moi et toi, nous devons prier pour détruire les embûches qu'on a mis dans le chemin. Parce que je vous ai parlé qu'il y a deux sortes. Il y a la repentance, il y a aussi notre façon aussi de renoncer, de prendre conscience, de refuser ce chemin-là. Amen. C'est pour ça que nous allons prier maintenant.
pour détruire toutes les embûches qu'on a mis dans notre chemin. Qu'est-ce que la coutume a mis dans ton chemin? Qu'est-ce que la famille a mis dans notre chemin? Qu'est-ce que la famille? Il y a des embûches et nous allons les détruire. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme apparaît pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous levons nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre les pièges. Contre les pièges. Les filets. Les filets. Que le diable. Que le diable. A mis dans mon chemin. A mis dans mon chemin. Comme embûche. Comme embûche. Pour me détourner. Pour me détourner. De mon chemin. De mon chemin. Tracé par Dieu. Tracé par Dieu. Pour aller à la bénédiction. Pour aller à la bénédiction. La Bible déclare. La Bible déclare. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, à Paris, pour détruire les œuvres des ténèbres, à taper mes mains, je vais détruire tous les embûches, vus par les sorciers, vus par les méchants, par les membres de ma famille, pour me détruire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tape les mains, détruis les embûches, toutes les embûches, posées par les diables, à taper les mains, détruis les embûches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis les embûches. Placées par les diables. Que ce soit les pièges. Que ce soit les filets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec force, avec détermination. Attrape les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bouge. Dans le nom de Jésus, tape les mains, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, avec force, tape la main, au nom de Jésus, bouge, détruis. Les embûches et la coutume, les embûches de la sorcellerie, au nom de Jésus, les embûches, au nom de Jésus, les ennemis, par les méchants, cela soit détruit, attrape la main dans le chemin, détruis les embûches dans ton chemin, au nom de Jésus, avec force, au nom de Jésus, attrape la main, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, avec force, au nom de Jésus, avec détermination, des filles, au nom de Jésus. Quelque force dans le nom de Jésus. Des filles. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Juges 14, 5 à 6. Juges 14, 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel le saisit, Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire les chevreaux. Il ne fit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. On dit que dans les chemins, Samson était en train de partir. Directement surgit un lion. Je ne sais pas s'il est venu du monde des ténèbres, si ce n'est pas un oncle, une tante qui s'est transformée. Il y a des gens qui se transforment en lion. Il y a des personnes, c'est ce qu'on appelle en lion là. On rencontre des gens même qui vont à la forêt, ils voient les lions. Le lion les regarde, il passe. Les lions. Il dit dans les chemins. C'est-à-dire que moi et toi, dans notre chemin, on a mis un animal. Vous croyez que le lion va te voir, il va te déchirer, il va te détruire. On dit quoi? Samson
déchira les lions. Amen. Nous allons maintenant déchirer tous les animaux qu'on a mis dans notre chemin pour nous détruire. Si tu les détruis pas, c'est lui qui va te détruire. Nous allons déchirer tous les animaux qu'on a mis, que ce soit les lions, que ce soit les crocodiles. Nous allons les déchirer. Nous levons nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tout animal, hein. Contre tout animal. Qu'on a mis dans mon chemin. Qu'on a mis dans mon chemin. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. Pour détruire mon mariage. Pour détruire mon mariage. Pour détruire mes enfants. Pour détruire mes enfants. Toi animal, hein. Toi animal. Qu'on appelle, hein. Qu'on appelle. Les lions. Les lions. Les crocodiles, les hein. Crocodiles. Les chiens, hein. Les chiens. Les léopards. Le toi animal, hein. Toi animal. La Bible déclare. La Bible déclare. Vous serez un sujet de crainte, hein. Vous serez. Pour tout animal, hein. Au nom de Jésus-Christ. Attends pas mes mains, hein. Je te déchire maintenant. Je te déchire. Je te déchire. Dans le nom de Jésus. Allez, déchire. Déchire maintenant les lions. Les lions qu'on a mis sur le chemin. Les crocodiles. Déchire. Allez, déchire les crocodiles. Les lions. Au nom de Jésus. Les lopards. Sois déchiré. Allez, lopards. Déchire les lopards. Déchire les lions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déchire les lions. Déchire les lions. Les crocodiles. Au nom de Jésus. Déchire les chats. Au nom de Jésus. Avec les forces. Avec les forces. Déchire les chiens. Déchire les lions. Qu'on a mis sur ton chemin. Déchire les lions. Au nom de Jésus. Les lopards. Dans le nom de Jésus-Christ. Déchire les serpents. Allez, déchire les chiens. Les lions. Au nom de Jésus. Les crocodiles. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déchire les lopards. Déchire les chiens. Tout animal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Avec force. Tout les lions. Au nom de la famille. Tout les lions de la coutume. Sois déchiré. Au nom de Jésus. Attends pas la main. Déchire les chiens. Déchire les chiens. Avec force. Dans le nom de Jésus. 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 T'as pas la main. Abusons les corps. Abusons les corps. Avec force. Avec détermination. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec force. Dans le nom de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus. T'as pas la main. Allez, les chiens. Déchire les lions. Déchire les lopards. Les crocodiles, dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout lion dans ton chemin, sois déchiré, tout crocodile, sois déchiré, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout animal féroce. Déchire, t'as pas la main. Au nom de Jésus, avec tes forces. Dans le nom de Jésus, déchire. T'as pas la main. Dans le nom de Jésus, avec tes forces, avec détermination. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, avec tes forces, avec détermination. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, déchire, dans le nom de Jésus, avec force, avec détermination, dans le nom de Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison. Nous combattons avec dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous avons l'assurance que nous sommes victorieux. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 38, 12 à 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse 38, 12 à 15. Nous y sommes, 12 à 15, nous lisons. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Jida, mourut. Lorsque Jida fut consolé, il monta à Timna, vers ce qui tendait ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite. On informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Inaïm, sur le chemin
de Timna, car elle ne voyait que Shéla était devenu grand, qu'elle lui était point donnée pour femme. Jida la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle était couverte du, il avait couvert son visage. Amen. Ici, on nous montre quel piège on peut mettre dans notre chemin. Tamar. Tamar était là pour piéger Jida. Elle a changé de vêtements comme une prostituée. Amen. Pour le faire tomber dans l'impudicité. Pour le faire le tomber dans l'inceste. Donc, amener beaucoup de choses. Je ne sais pas quel piège que le diable a mis dans notre chemin. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de filles qui sont dans la prostitution. Mais ils oublient que le chemin qui a été tracé, il y a un piège qui a été mis dans le chemin où il va tomber dans l'inceste, il va tomber dans l'impudicité. Nous allons maintenant détruire tous les pièges qu'on a mis dans notre chemin. Quels sont les pièges qu'on a tendus? Le piège de la coutume. Parce qu'ils veulent que notre vie soit détruite. C'est à moi et toi de s'élever, de renoncer à tous les pièges de la prostitution, de l'impudicité, tous les pièges de l'inceste, de l'adultère qu'on a mis dans notre chemin, qui est difficile pour nous peut-être d'échapper. Mais nous devons renoncer, nous devons refuser. Nous levons pour prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les pièges. Contre tous les pièges. Venant du monde des ténèbres. Hein. Venant du monde des ténèbres. Venant de ma famille. Hein. Venant de ma famille. Venant des méchants. Venant de méchants. Qui ont mis sur mon chemin. Qui ont mis sur mon chemin. Pour que je tombe. Hein. Pour que je tombe. Dans l'adultère. Dans l'adultère. Dans l'inceste. Dans l'inceste. Dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Dans la prostitution. Dans la prostitution. Dans l'homosexualité. Dans l'homosexualité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Attends pas mes mains. Hein. Attends pas mes mains. J'ai détruit ces pièges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai tous les pièges, tous les pièges de la prostitution. J'ai tous les pièges de la publicité, de l'inceste. Au nom de Jésus, de la prostitution, de l'adulté, de l'inceste. Allez, j'ai tous les pièges qu'on a mis dans mon chemin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, allez, tape les mains. Renonce, refuse, tous les pièges, tous les pièges. Tous les pièges de la félicité, de la prostitution, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Attends pas la main, attends pas la main, attends pas la main, attends pas la main. Au nom de Jésus, attends pas la main. Le piège est démoniaque. Au nom de Jésus, tous les pièges de mon éternel. On a placé le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Attends pas la main, attends pas la main. Détruis. Détruis les pièges. Détruis les pièges. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis le piège. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie parce que nous combattons dans la victoire. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 59, verset 8. Ésaïe 59, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas quoi? Le chemin de la paix. C'est bien dit. Hein? Il n'y a point
de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche connaît point la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix. C'est-à-dire que le diable, dans le chemin qui te conduit de la coutume de Jacob, dans le chemin de Jacob, il n'y a pas la paix. Vous savez même comment Jacob il a souffert. Parce que dans ce chemin-là, la souffrance, il n'y a pas de paix. Voilà comment le diable nous met dans le chemin-là. Et il dit encore, c'est un chemin détourné. C'est-à-dire que dans le chemin qu'on t'avait mis, tu devais avoir un bon travail. Mais le travail que tu as, donc tu souffres. Il n'y a pas la paix dans ce travail. Donc tu travailles chaque fois, mais tu ne gagnes rien. Non, on a détourné. Tu devais avoir un bon mariage. Je vous donner mon témoignage, comment j'étais passé dans le chemin qui n'était pas bon. J'ai souffert. Pourquoi? Parce que j'étais entré dans les chemins détournés. Le chemin détourné, c'est un chemin qui n'a pas la paix. Et la seule condition, il y a la repentance. Je vous ai dit aussi qu'il y a le renoncement. Amen. Nous devons renoncer. Nous devons refuser tous les chemins que le diable a mis pour que nous puissions être détournés de notre bénédiction. Devant nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vais me lever. Je vais me lever. Contre tous les chemins. Contre tous les chemins. Détournés. Détournés. Venant de ma famille. Venant de ma famille. Venant de la coutume. Venant de la coutume. Des méchants. Des méchants. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma vie. Pour détruire mes enfants. Pour détruire mes enfants. Pour détruire mon travail. Pour détruire mon travail. Chemin détourné. Chemin détourné. Je me lève au devant de toi. Je me lève devant de dans toi. Le nom de Jésus-Christ, je renonce à ce chemin, à ce chemin. Et je sors maintenant de ce chemin détourné au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, t'as pas la main. Au nom de Jésus, avec des forces. Dans le nom de Jésus, renonce au chemin de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, avec des forces, t'as pas la main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 7, verset 26. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Ça, c'est les Français. Ça n'a rien à voir. On dit celui qui est agréable fait quoi? Échappe. Nous devons échapper au filet. Nous devons échapper au filet, au piège, au lien. Nous devons échapper. On dit que celui qui échappe est agréable. Levons nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les pièges. Contre tous les pièges. Les filets. Les filets. Les liens. Les liens.
tendu par la famille, par les méchants, par les sorciers, contre ma famille, et contre moi-même. La Bible déclare, celui qui est agréable, lui échappe. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'échappe maintenant, au lien maintenant, j'échappe maintenant, au filet, j'échappe maintenant, au piège, de la coutume, de la sorcellerie, de la famille. Allez, tape les mains, dis je chante. Déclare, je chante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare, je chante. Déclare, je chante. Au nom de Jésus, avec des forces. Avec des forces. Dans le nom de Jésus. Oui, déclare, je chante. J'échappe au lien. J'échappe au lien de la folie. J'échappe au lien de la folie. J'échappe au lien. J'échappe au lien. J'échappe au piège. De la foutue de la folie. Dans le nom de Jésus. Tape la main, tape la main, tape la main. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Yesu nde yozari nzambe nzambe kolona Yesu mwinda pebo Yesu nde yozari nzambe nzambe kolona Yesu Acclame Jésus, acclame l'éternel, acclame le ressuscité du troisième jour. Oui, maman, oui, papa, nous venons de combattre, de renoncer. Dis-toi que Dieu a fait dans ta vie, parce que c'est lui qui exerce ses nommés au combat et nos droits à la bataille. Là où tu es déjà victorieux, victorieuse, ne sois pas inquiet, ne sois pas inquiète. Ton Jésus que tu connais, il est là. Il ne va pas te décevoir. Il va changer ton chemin. C'est pour cela, toi et moi, nous allons prendre encore nos Bibles. Oui, parce que la parole va nous conduire encore dans la prière, cette parole. La Bible nous dit 1 Roi 8, verset 35. À 36, 1 Roi 8, 35 à 36, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les aurais châtiés, exauce-le. De cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseignes la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Amen. Ma soeur, mon frère, toi tu viens de prier, bien-aimé. Oui, dis à l'Éternel, lève tes mains là où tu es. Maman,
papa, toi qui nous suis, JCC, là où tu es dans la maison, lève tes mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans ma vie. Dans ma vie. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Il n'y avait point de pluie. Il n'y avait point de pluie. À cause de péché. À cause de péché. À cause de pièges. À cause de flèches. À cause de raisins. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je me suis repenti. Je me suis repenti. J'ai renoncé. J'ai renoncé. Je te prie, Jésus-Christ. Je te prie, Jésus-Christ. Exauce-moi. 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 Oui, bien-aimé. Dieu l'Éternel, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Enseigne-moi la bonne voie dans laquelle je dois marcher. Dieu l'Éternel, enseigne-moi la bonne voie dans laquelle je dois marcher. La bonne voie dans laquelle je dois marcher. Et fais venir la pluie sur la terre qui est ma vie. Dieu l'Éternel, fais venir la pluie. Oh, ne dors pas. Oh, Dieu l'Éternel, fais venir la pluie. Pluie. Mon père, dans la ta pluie, terre, dans ta oh, maison, Jésus, dans ta famille, oh, dans ton Jésus, travail, la pluie. Que l'Éternel puisse t'exaucer. Oh, il puisse te donner un mari, des enfants, le travail, le séjour. Oh, tu as prié. Tu as reconnu tes fautes. Tu as dit je suis coupable. Oh, Jésus. Ma soeur, oh, mon frère, papa, Jésus, ne dors pas, ne dormons pas. Prie, le moment est là. Oh, il est miséricordieux. Là, la colère riche à beauté. Dans sa beauté, Dieu l'Éternel. Exauce-moi, Dieu. Exauce-moi. Que la pluie tombe. Oui, la pluie va tomber maintenant. Dans ta vie, la pluie va tomber. Moi, je vois la pluie tomber. Tomber, moi je vois, Jésus. Oh, il t'enseigne la voie suivre, la voie droite, pas la voie détournée, pas la voie là, montagneuse, pas la voie difficile. Jésus-Christ, t'enseigne, Éternel, enseigne-moi, 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 dans ce voie là, la voie qui n'est pas corrompue. La voix qui n'est pas corrompue. Amène-moi dans cette voix. Jésus est l'Éternel. Oh Jésus. Et amène-moi dans cette voix. La voix qui n'est pas corrompue. Oh Jésus. N'inquiète-toi, Jésus. N'inquiète-toi, Jésus. Oh Jésus, dis Jésus, exauce mon père. Donne-moi l'héritage. Jésus, n'inquiète-toi, père. L'héritage. Oh Jésus. Digne. Exauce, père éternel. Jésus, n'inquiète-toi, père. Exauce mon père, afin que je m'en rende dans chemin, père. J'ai besoin de toi, père. Exauce mon père éternel. Exauce ma prière. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, Jésus, nous venons à toi, père. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde de Jésus. Exauce, père éternel. Jésus-Christ, père éternel. Nous devons nous mettre vers toi, père. Oh, Jésus, il n'y a que toi, Jésus. Jésus, ouvre-nous, Seigneur mon Dieu. Ouvre pour nous, Père éternel. Exauce, merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Père oui. Gloire à toi, Jésus. Il reste toujours fidèle. Même nos infidélités crient. Mais Jésus-Christ est fidèle. Quand tu pries, il faut avoir la foi. Que le Dieu là, que tu es venu chercher, le Dieu là qui t'a ramassé dans la prostitution, dans le vol, dans les choses compliquées, dans le fétiche, ce Dieu-là va changer ta vie. Écoute encore, ma soeur, là, toi qui es dans la maison, ne dors pas, bientôt va atterrir. Dans Ésaïe 49, la Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Comment c'est déjà acclamé? Parce que c'est ta parole. Là où tu es, acclame déjà, maman. Acclame déjà, papa. Parce que c'est ta parole. C'est ta parole, c'est une bonne parole. Je te rassure que c'est une bonne parole. La Bible nous dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. L'Éternel te dit aujourd'hui, il va t'exaucer. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Je vais attendre l'amen qui vient de ta maison, maman. Amen. Amen. Au jour du salut, je t'ai secouré.
L'Éternel te dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Le salut c'est la délivrance. Il va te secourir. Il va me secourir. Il va secourir ta famille qui était là dans le piège du diable. Il va te secourir. Dis Seigneur, tu vas me secourir. Commence à dire à l'Éternel, tu vas me secourir. Père éternel. Dis à l'Éternel, tu vas me secourir. Secours-moi Jésus Christ. Dis Seigneur, tu vas me secourir. Secours-moi Jésus. L'Éternel continue. Moi Jésus Christ, Père éternel. Je te garderai. Dis l'Éternel, garde-moi. Là où tu es, dis l'Éternel, garde-moi. Garde-moi Marie. Garde mes enfants. Et il continue. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Bien aimé, l'Éternel veut établir une nouvelle alliance avec toi. Amen. Hein? Amen, Jésus. Amen. Là où tu es, dis Amen. Amen. Dis Éternel, établis une nouvelle alliance avec une nouvelle moi. Alliance, commence à dire à l'Éternel. Oh, Jésus, Seigneur, Jésus, établis une nouvelle alliance avec nouvelle alliance, moi. Père éternel. Jésus, établis une nouvelle j'étais alliance. J'étais dans l'alliance Jésus. De la coutume. Oh, j'étais Jésus. Dans l'alliance de Jacob. Établis une nouvelle alliance. Mais ce soir, établis une nouvelle alliance avec moi, Esther. Avec moi, Madeleine. Avec moi, Eve. Avec moi, Morabarasanda. Obede. Avec moi. Établis une nouvelle alliance. L'Éternel veut établir une nouvelle alliance avec toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que l'Éternel veut établir une nouvelle alliance avec toi. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, établis une nouvelle alliance. Oui, Jésus. Établis une nouvelle alliance, Père éternel. Oh, Jésus. Prie vers l'éternel, il n'y a que toi, Jésus. Écoute, ma soeur. Père éternel. Écoute, mon frère. Oh, Jésus. L'éternel veut que tu puisses. Il veut renouveler une nouvelle alliance pour te relever. Là où tu étais tombé. Là où ça n'allait pas. Là où tu étais courbé. Là où tu pleurais, tu gémissais. Il veut te relever. Là où tu étais malade, courbé, à boire les médicaments chaque jour. Dis Seigneur, relève-moi. Dis à l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Relève-moi. Relève-moi. Là où Jésus. J'étais tombé. Là où j'étais tombé. Dans la maladie. Dans la pauvreté. Dans le blocage. Dans la sécheresse. Dans la limitation. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Allez, commence à parler à l'Éternel. Dis Jésus, relève-moi. Maman, Jésus. Papa, ne dors pas. Oh, oui, je t'attends pas. Ne dors pas. Ce moment, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment. Afin que toi et moi, nous puissions nous relever de nos situations. Les situations doivent s'abaisser. Les problèmes, les maladies doivent nous quitter. Quand tu te relèves, les maladies te quittent. La pauvreté te quitte. Les échecs te quittent. Oh Jésus, relève-moi Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Relève-moi Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. La Bible continue. Ça, j'aime ça beaucoup. Et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Hein? Bien-aimé. L'Éternel veut te distribuer les héritages désolés. Ma soeur, mon frère, un jour, moi, je souffrais la télévision. J'étais en train de suivre un documentaire. J'ai regardé les archéologues. Ils étaient en train de creuser en bas dans une parcelle à Londres. Ils ont trouvé l'or enterré depuis 1600. Enterré, il y en avait beaucoup dans toute la parcelle. C'est ça qu'on appelle les héritages désolés. Amen. Hein? Amen. Dans la parcelle de ce papa-là, il y a un mois, je vis ça. Moi, j'ai dit, ce sont des héritages désolés. Le papa habite la maison, mais il ne connaissait pas. Sous la terre, il y avait des héritages. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, oui, on ne voyait pas ces héritages-là. Parce qu'on était dans le péché. Parce qu'on avait commis l'inceste. Parce que Jacob nous avait maudit. Oui, nous sommes des consacrés de l'Éternel. Nous sommes là dans la mission de Dieu.
Bien-aimé, dis à l'Éternel, Jésus, je vais récupérer les héritages désolés. Oh, Yohane Vandanassé, allez, prie, maman, toi qui es à la maison, dis Seigneur Jésus, je vais récupérer, mes diplômes enterrés. On ne me donne pas le travail, parce que à moi, il y a des diplômes enterrés. Il y a des diplômes enterrés de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Pas de travail, mais il est diplômé, il est licencié. Aïe, 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 il y a beaucoup de diplômes, mais c'est désolé. Des enfants, on a enterré. C'est la richesse. On te donne pas les enfants. C'est enterré à cause des péchés. Maintenant, au Rabalassane, on va te donner un bon travail. Aïe, 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 c'est enterré. Les héritages, désolé. Aïe, 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 il y a personne qui s'en serve. Ah, on a oublié. On a oublié. On a oublié. Les héritages. Maintenant, ne dors pas. Ne dors pas, maman. Aïe, 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 bientôt on va atterrir. Ne dors pas. Aïe, aïe, aïe. Le séjour là, enterré, tout de toi qui est enterré, des richesses, des projets, à tout de toi, l'or, l'argent, enterré, c'est l'Éternel. Je vais récupérer le Stéphane de Jésus. L'Éternel a dit, il va distribuer, automatique, aïe, 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 Yende, Yende, Jésus, seul, Jésus-Christ, c'est lui qui va te donner. Oh, Jésus-Christ, c'est lui, tout vient de Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Commence à clamer pour ce Dieu-là. Commence à clamer. Commence à bouger. Commence à bouger. Oui. Et la Bible dit pour dire aux captifs, sortez. Amen. Hein? Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils perdront sur le chemin. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. L'Éternel te dit, il te rassure. Toi qui étais captif quelque part, papa, maman, vous qui êtes dans la maison, JCC, vous étiez captifs là. Vous craignez les policiers pour les ordres de quitter. Il vous dit sortez, paraissez. Vous qui étiez dans les ténèbres et dans la sorcellerie, paraissez. Oh Jésus. Paraissez. Oh, paraissez. Vous qui étiez courbés, courbés. Vous qui pleurez, la tête est basse. L'Éternel te dit paraissez. Ma soeur, mon frère, papa et maman, il n'est pas fils de là pour mentir. Ni pour se répartir, il s'appelle Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit. Là où tu es, paraissez maintenant. Sors là où tu es. Sors là où tu es dans la sorcellerie, dans les ténèbres. Dans la profondeur, commence à dire, je dois sortir dans les ténèbres. Dans les ténèbres, commence à parler. Oh, ah, je ne t'attends pas parler. Je ne t'attends pas. Paraissez. Sortez de la profondeur des ténèbres. Oh, là on t'a mis, là on t'a caché, là on t'a caché, quand tu étais passé sous le pied de ta maman, de ton papa, on t'avait caché là-bas. Tu dois paraître maintenant. Le mari doit te voir. La maternité doit te voir. Apparaissez. Apparaissez. Le directeur là va te lever. Oh Jésus, que je paraisse. Tu vois la promotion. Il y a que toi, Jésus. Je dois paraître. Que je paraisse. Là on ne me voyait pas. Oh que je paraisse. Là on ne me voyait pas. Oh que je paraisse. Personne ne me voyait. Mon mari ne me voyait même pas. Il va commencer à te voir parce qu'il était dans les ténèbres. Jésus, que je paraisse. Je ne sais pas si tu parles. Que toi, Jésus. Je ne sais pas si tu pries. Il n'y a que toi, Jésus. Ah, que je paraisse. Quelle Jésus. Est bonne nouvelle pour toi, ma soeur, mon frère. Que je paraisse. Papa, là où tu es. Oh, Jésus. Quelle bonne nouvelle. Jésus. Il continue. Que je paraisse, Jésus. Oh, Rabalassane. Gloire à toi, Jésus. Ils paîtront sur le chemin. Oh, Jésus. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Oui. Tu vas paître sur le chemin. Il y aura de bœufs, des brebis. Des agneaux, il y aura tout. Tu vas paître le mariage, l'argent, toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, financières. Oui, le pâturage sur le coteau, au Rabalassanda, sur les collines, sur les montagnes. Oui, tu vas commencer
Allez là-bas, on va t'amener dans les montagnes, là où tu ne pouvais pas aller. Tu vas monter très haut. Dis à l'Éternel, je vais monter très haut. Oh, là-bas, c'est dans les collines. Tu ne pouvais pas atteindre les bénédictions là. Mais l'Éternel te dit, maintenant tu vas atteindre. Tu ne pouvais pas être élevé. Maintenant, tu vas monter. Le commerce va monter. Ah, maman, là où tu me vois, là où tu es dans ta maison, papa, tu vas monter. Commence à bouger. Parce que nous atterrissons. Commence à bouger. Aïe, 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 aïe. Monter, tu vas toucher la montagne. Monter, Jésus, la montagne est là qui est à toi. Yo, monter, le pâturage. Monter, oh, la monter, pâturage. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Oh, tu vas récolter la joie. À la paix, Jésus, le pâturage. Il y aura les secrets. Les secrets de bénédiction. Les secrets de travail. Le secret du mariage. Le mari vient. Le pâturage. Au robot de Jésus. Le pâturage, Jésus-Christ, Père éternel. Le pâturage, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Ésaïe 42, 1 à 3. Jérémie 42, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. 42, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle encore. La Bible nous dit, tous les chefs de troupes, Jokana, fils de Karech, Jexania, fils de Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorables, reçues devant toi. Intercède à notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste. Car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre un chemin que nous devons suivre. Amen. Amen. Lève tes mains. Lève tes mains, maman, là où tu es à la maison. Commence à te lever. Oh, gloire à Jésus. Dis à l'Éternel. Gloire Seigneur. À toi, Jésus, Père éternel. Seigneur, montre-nous le chemin que nous devons suivre maintenant. Longtemps on a erré. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Longtemps on a erré. Longtemps j'ai erré. Longtemps on a chancelé. Longtemps j'ai chancelé. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Montre-nous. Montre-nous. Un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Que nous devons suivre. Que nous devons suivre. Que nous devons suivre. Pour ne pas tomber dans les pièges. Pour ne pas tomber dans les pièges. Que nous avons construit dans nos vies. Que nous avons construit dans nos vies. Jésus. Jésus. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau papa, chemin. Maman. Prie, dis, Jésus. Papa, maman. Un nouveau chemin. Dis à l'Éternel de te montrer un nouveau chemin. Montre-nous un nouveau chemin. De te montrer un nouveau chemin. Un nouveau chemin. De te montrer un nouveau chemin. Montre que tu dois chemin, suivre. Jésus-Christ, Père éternel. Que tu dois suivre. Montre-nous un nouveau chemin, Jésus. Montre-nous un nouveau chemin, Père éternel. Un nouveau chemin, Père éternel. Que nous devons suivre, Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ, Père éternel. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin, Jésus-Christ, Père éternel. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin que nous devons suivre, Jésus-Christ, Père éternel. Un nouveau chemin que nous devons suivre, Jésus-Christ, Père éternel. Oh, un nouveau chemin, Jésus. Un nouveau chemin que nous devons suivre, Jésus-Christ, Père éternel. Un nouveau chemin, Jésus. Montre-nous un nouveau chemin que nous devons suivre. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Le dernier verset, Ésaïe 43, 19 à 21. Commence déjà à acclamer l'Éternel. Maman, là où tu me regardes à la télévision, acclame Jésus. C'est une encore bonne nouvelle. Longtemps on a pleuré. Longtemps on a gémi. Longtemps on était des aveugles. Oui. Des aveugles comme Samson. On tournait en rond. Mais l'Éternel te dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais attendre des cris de joie. Amen. Des cris de joie. Gloire à Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Si le point d'arrivée en 2020 est là, les choses nouvelles. Amen. Malgré le Covid, mais Jésus-Christ, c'est lui le maître de ce monde. Il va frayer un nouveau chemin pour toi et moi, pour toi qui nous suis. Oui, pour toi qui nous suis. La Bible dit, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen.
et des fleuves dans la solitude. Les chemins dans le désert. Comment ça dit les chemins dans le désert, Seigneur? Mais tu vois la vie là que tu mènes. Ma soeur, mon frère, la vie là que nous menons, toi et moi, c'est ça le désert. Dis, Seigneur, mets les chemins dans le désert. Mets les chemins dans le désert. Horobarachinda. Non, un nouveau chemin, le chemin de vie, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Un chemin de la vérité, Jésus. Jésus. Mais un chemin, Jésus-Christ est le fleuve dans la solitude. Nous vivons sans Marie, nous vivons sans séjour, nous vivons sans enfant. L'éternel est au Rabarasanda. Oh, le fleuve dans la solitude. Regarde nos vies. Oh, tout doit changer. Toi qui vis dans la solitude. Tout doit changer. Ah, il y aura des enfants tout autour de toi. La maison, il y aura des cris dans ton travail. Il y aura l'élévation. Il y aura la joie. Et la Bible dit, le bête et les champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Alléluia. Parce que j'aurais mis des eaux dans les déserts. Amen. Le bête et les champs vont glorifier l'éternel. Dis pourquoi? Parce que ta vie, hein, il y avait que des bêtes féroces. Samson était serpent. C'est pour ça qu'il s'est rencontré avec le lion. Toi aussi, ton identité était lion. Comme moi, on nous appelait les lionceaux. Notre maman l'appelait la lionne. Donc automatiquement, on était des lionceaux. On a grandi, on est des lionnes. On était des lionnes. Par la repentance, hein, l'identité a changé. Maintenant, dans mon chemin, on a dit bien. On a dit bien. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, bien aimés, vous ferez la paix. Ils vont quitter ton chemin. Maman, toi qui me regardes là-bas, ils vont quitter ton chemin. Il n'y aura plus d'obstacles. Il n'y aura plus d'embûches. Il n'y aura plus de bêtes féroces. Amen. Ah, il faut acclamer. Gloire. Gloire. La Bible continue. Parce que j'aurais mis des eaux dans les déserts. Amen. Dans ta maison, il y aura l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Jésus. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est la richesse. L'eau, c'est tout. Amen. Tout ce que tu cherches, c'est de l'eau. Gloire à Jésus. Parce que tu as soif du mariage, c'est de l'eau. Quand tu vas boire, tu vas te rafraîchir, c'est de l'eau. De fleuve dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Acclame parce que tu es l'élu de Dieu. Gloire à Jésus. Le peuple que je me suis formé, publieront mes louanges. Amen. Bien-aimés, vous allez publier les louanges. Anne, quand elle a enfanté, elle a fait un nouveau cantique. Déborah de même. Marie de même. Elisabeth est de même. Et toi et moi, bien-aimés, on doit louer. Maman, mets la louange. Même si le temps passé, même une minute. On va louer les dieux. Ya ya Yesué, ya ya nanga. Oh Yesué, ya ya nanga moko. Ya ya Yesué, ya ya nanga. Maman là où tu nous regardes. Oh Yesué, ya ya nanga. Oh ya ya Yesué, ya ya nanga. Oh Yesué, ya ya nanga moko. Ya ya Yesué, ya ya nanga. Oh Yesué, ya ya nanga. Oh, yes,